Je m'appelle Patrick Passuello, je suis né à Aoste en 1972 et j'ai grandi dans une famille qui avait beaucoup d'intérêt culturel. Mon père était peintre pour passion, pour hobby. Ma mère était passionnée de musique, notamment de l'opéra. Donc je suis grandi avec de la classique et de l'art visuel, c'est comme ça. J'ai commencé à peindre très tôt, j'étais âgé de 9 ans et mon père il a été mon premier professeur. Il m'a tout appris, que ce soit la perspective ou le mélange des couleurs. Et jusqu'à quand je me suis inscrit à l'Institut d'art d'Aoste, j'ai pris mon diplôme et après j'ai continué complètement indépendant à étudier. J'ai pris mon petit premier atelier et là j'ai réalisé mes premières œuvres. Alors, quand j'ai rencontré là, je peux pas le dire, je crois qu'elle a toujours été présente dès que je suis né. Originaire du Val d'Aoste, Patrick Passuello s'installe quelque temps à Paris à la fin des années 90. C'est là qu'il découvre, lors d'une exposition, le travail du peintre canadien Tony Sherman, qui va beaucoup l'influencer et l'engager à étudier et développer la technique rare de l'encaustique à la cire et au piment. Pour moi, l'art est devenu une nécessité dans l'année 2003. Je faisais des boulots qui ne me plaisaient pas. J'étais bariste, serveur. Et j'ai découvert que l'art, elle était capable de couvrir la rage et la frustration que j'éprouvais dans ce genre de boulot. C'était un génie consolateur. Et voilà. C'est une médecine. Je crois que le tableau, un tableau, une œuvre, c'est un fruit d'un travail continué dans le temps. Et tous les tableaux sont une conséquence de l'autre, à mon avis. Si tu es dans le juste milieu, c'est ton art qui t'indique quoi faire. Donc t'as pas besoin de... Il faut travailler beaucoup. Grâce au travail, tu évolues et ta peinture évolue. Et je crois que les sujets vont se créer tout seuls. Patrick Passuello est né à Aoste en 1972. C'est son papa, lui-même artiste, qui lui apprend très jeune à dessiner et à peindre. Élève de l'Institut d'art d'Aoste, il sera diplômé en sculpture en 1992. Parallèlement, il approfondit les études musicales. De retour de son séjour à Paris, il exerce diverses activités en lien avec la création artistique, s'intéresse un temps à l'archéologie, puis décide de se consacrer uniquement à la peinture. La fonction de l'art, c'est de créer de la surprise. Moi, je le vois comme ça. Pour moi, l'art, c'est un coup de théâtre. En faisant des exemples, je pense au pape quand Michel-Ange a terminé la Cappella Sistina, qu'il est entré voir ses voûtes immenses avec ses chefs-d'œuvre. Je crois qu'il a ouvert sa bouche comme ça. En même temps, je pense à Beethoven, qui a écrit sa 9e symphonie en étant complètement sourd. Ça, c'est de la surprise. Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, c'est de la surprise.
les œuvres de Christo qui fait ces paquets-là, immenses. L'art, à mon avis, ça doit créer de la surprise. Voilà, c'est, l'art, c'est un coup de théâtre. Thank you.